Bonjour à tous. Je m'appelle Florence Lambert et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors pour moi, donner et redonner de la fierté a été ce qui m'a fait rentrer dans le domaine de l'énergie. Moi, la fille d'ouvrier qui a grandi à côté du centre du CEA de Grenoble, le Commissariat à l'énergie atomique, le CENG pour les Grenoblois, j'ai toujours cultivé une forme de curiosité pour ce domaine de la science et de la technique, en ayant l'impression, la compréhension que c'est noble, sérieux et parfois un peu secret. Et puis, avec mon collège, nous sommes allés visiter une centrale hydroélectrique en Tarentaise, la centrale de la batterie, de la bâtie. Et pour moi, ça a été le choc. J'ai fait mon bang. Avec la compréhension que mon esprit curieux, ma soif de connaître, que j'ai développée très tôt, allait être nourrie parce que j'allais avoir des sujets nombreux, de l'atome, puisqu'on produit des électrons, jusqu'à la mise en œuvre de systèmes complexes. Et j'ai compris aussi que ce sujet d'énergie allait être le moteur de l'humanité parce que la centrale de la bâtie faisait vivre ces villages dans les vallées reculées de la Tarentaise. Et l'accès à l'énergie est ce qui a guidé mes premiers pas d'ingénieur. Et je saute sur la première thèse appliquée à ce domaine, à l'énergie. Et me voilà arrivée au CEA de Cadarache pour faire une thèse sur le stockage des énergies renouvelables. Mon travail visait un concept qui s'appelait les fontaines de l'électricité dans le cadre de l'électrification rurale au Maroc. Et en fait, l'idée, c'était de développer des petits systèmes photovoltaïques partout dans les villages de manière décentralisée. Et en fait, cette application, j'ai découvert assez vite, redonnait de la fierté aux femmes. Parce qu'en fait, les femmes étaient chargées quotidiennement d'aller remplir les batteries. Et en fait, en faisant ça, elles devaient faire des kilomètres et des kilomètres pour aller recharger leurs batteries au groupe électrogène qui lui était centralisé. Et tout ça pour avoir de l'éclairage dans leur foyer. Et en fait, en trouvant cette solution technique, elles ont pu faire des choses beaucoup plus valorisables et on a pu leur redonner de la fierté. Et c'est aussi cette image de la fierté redonnée aux populations que j'ai retrouvée dans ce formidable projet, le bateau Energy Observer, dont j'ai été la marraine, et qui avait pour vocation d'incarner, vous savez, les réseaux énergétiques de demain. Et là, on a une vraie révolution, puisqu'on va avoir un mix entre des électrons, de l'hydrogène et des réseaux de chaleur. Et avec le navigateur Victorien Hérussard, nous sommes partis d'une coque de catamaran complètement nue, vide, qui avait fait des courses, et nous avons intégré tout un tas d'objets innovants issus du CEA pour en faire un labo navigant et qui, au fond, était une belle image de la transition énergétique et une tellement belle image que finalement, Energy Observer est devenu l'ambassadeur de l'UNESCO et qu'aujourd'hui, ce bateau continue à naviguer partout dans le monde et va à la rencontre des jeunes. Et ce projet, vous voyez, m'a permis aussi de rendre fière mes collaborateurs, car pour la première fois, on parlait publiquement, internationalement, de mes chercheurs. Et je pense qu'on peut dire que donner et redonner de la fierté a été aussi le moteur de mon management, toujours à la tête de projets un peu périlleux, confiés par mes responsables dans cette formidable maison qui est le CEA, où j'ai toujours eu l'impression d'avoir le vent dans le dos. Alors ça a été aussi la mise en œuvre de projets ambitieux pour faire émerger les énergies renouvelables au CEA, où on pense d'abord au A de atomique, et surtout à un moment où faire des énergies renouvelables, l'hydrogène, le solaire photovoltaïque, n'était pas forcément à la mode, et il fallait avec courage défendre ses convictions et se battre sur le long terme. Et cette fierté d'appartenance à ce CEA Liten, qui en était l'institut, le berceau, troisième institut au monde, premier en matière d'inventivité, a vraiment été le ciment
entre mes collaborateurs et moi-même pendant 8 années de mandat. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une fierté plus personnelle qui va guider mes pas. En effet, moi, la chercheuse qui a fait beaucoup de transferts de technologie vers l'industrie, d'ailleurs rêvé d'industrie très souvent, en fait, j'ai sauté le pas pour créer une start-up, qui aujourd'hui n'en est plus une, la société Genvia, qui développe et produit des électrolyseurs pour aider notre industrie à se décarboner. Alors là aussi, un attelage improbable, impossible, d'actionnaires et emblématique, le CEA, d'où vient la technologie, un groupe international qui adore la technologie, le groupe SLB, ex-Schlumberger, deux industries qui veulent se décarboner, le groupe Vicat et le groupe Vinci, et une région, un territoire, l'Occitanie, qui ambitionne d'être la première région à énergie positive de France. Et vous voyez, je suis fière moi-même de quelque part m'être libérée de ce costume de bon élève, d'une carrière préétablie, et je me suis rendu compte que finalement, cette faculté que j'avais de résoudre des problèmes complexes, eh ben finalement, pouvait dégager de la valeur industrielle. Et en tout cas, avec mes collaborateurs, j'ai été très, très fière de pouvoir leur donner de la fierté, eux, issus d'industries régaliennes, et c'est la main sur le cœur qu'ils ont accueilli le président de la République, qui est venu nous voir, en chantant la Marseillaise. Et moi, j'étais complètement fière d'eux. Et le mot de la fin, pour moi, c'est simplement vous dire que derrière tout ce que je vous ai dit, mes fiertés, c'est simplement l'aboutissement d'une forme de courage. Donc s'il y a un mot à retenir, soyez courageux, risquez, osez, et au bout du chemin, vous serez fiers. Merci.